Duchamp à Rome, l'argumentaire. Depuis Rousseau, beaucoup de textes ayant pour thème la promenade ont été commis par des écrivains, des philosophes et des poètes. La dérive surréaliste de Nadja de Breton, ou celle du paysan de Paris, d'Aragon, l'errance d'Artaud chez les Tarahumaras, les voyages des écrivains de la Beat Generation, la psychogéographie, si tout. Sont considérés aujourd'hui comme des thèmes littéraires. Mais toutes ces tentatives de promenade dans le cœur des villes ne font généralement qu'arpenter les villes, comme le cas de Kafka. Arpenter un château, elle sillonne à partir d'un cadastre déjà existant. L'altermobilité des écrivains et des artistes contemporains chemine autant que faire se peut, en respectant grilles, murets, et propriété. Elle s'arrête à la porte, sans remettre en cause les raisons d'un tel arrêt, les raisons d'un tel stoppage, devant la sonnette d'un particulier ou le panneau propriété privée, sans prendre en compte donc les contingences possibles, ici et là, face à un milieu clos. L'itinéraire proposé par Réseau des stoppages ne pourra évidemment pas vous pousser à détruire un mur ou à forcer une demeure. Mais pour s'approcher autant que faire se peut du modèle de l'œuvre existant, vous devrez sonner aux portes des Romains pour leur demander de passer par leur fenêtre ou un conduit d'aération, si ce conduit est proche d'une des lignes des réseaux d'estoppage reportées sur votre plan de Rome. La question que pose Duchamp à Rome est celle-ci. Comment un Romain, une Romaine, ou une institution, le terme institution est pris ici dans un sens large, peuvent-ils accepter de se laisser traverser? Pour quel motif romain, romaine ou institution peuvent-ils dire oui ou non? Passez par la fenêtre du salon si vous le voulez. C'est finalement la partie la plus difficile du cahier des charges proposé ici, mais aussi celle qui peut intéresser tel ou tel d'entre nous qui n'est pas particulièrement sensible à la ville de Rome ou à Duchamp. Qu'est-ce qui peut entraîner un homme à ouvrir sa porte? Comment parvenir en fin de compte à une forme d'hospitalité absolue?